Coucou, bonjour mes amis vierges. Allez, c'est à votre tour pour le tirage sentimental février 2021. Voilà, avec l'améthyste love qu'on recouvrera avec l'oracle lumière. Allez, pour mes amis vierges. Tirage sentimental. Février 2022. J'ai dû dire 21 encore. 2022. Voilà. Ouh, ça veut parler, hein? Allez. Allez, mes amis. Alors que tout le monde les voit quand même. Voilà. Sinon, vous n'allez rien voir. Les tirages en 9 cartes. Allez, mes guides pour les amis vierges, tirage sentimental. Alors, que me dit le dos de deck? Alors, soit cet été, vous avez rencontré, mes amis vierges, un cancer lion vierge. Hein, et puis vous avez rencontré une atmosphère chaleureuse depuis cet été. Voilà. Par contre, vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes. Ouais, vous avez des doutes. Et vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes une personne assez réfléchie, donc vous posez beaucoup de questions le soir. Donc. Enfin, on me dit que il y a un message qui a été envoyé. Hein. Donc, à vous de voir ce qu'est ce message, les amis vierges. Allez, on va regarder la carte mère. Voilà. Hop. Comme ça, sinon, voilà, vous voyez pas toutes les cartes. Ah oui, cet été, c'était très chaud. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un l'été dernier, ouais. Où vous avez... Ouais. Alors, on m'a dit, ouais, comme vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions, il va peut-être y avoir une nouvelle rencontre dans 3 mois. Ouais. Ouais, ça discute pas mal hein, derrière vous, hein. Ouais, c'était très chaud, hein. Disons que... Avec vous, mes amis vierges, c'est charnel, hein, quand même, hein? Ouais. Mais on dit que vous êtes une personne de raisonnable. Ouais. Et quand vous aimez d'un amour inconditionnel. Hein? On a le papa, la maman. Vous aimez vraiment. Ouais. On me dit que là, il va y avoir du renouveau. Hein. Donc, effectivement, on me parle de... Donc, quand vous aimez, oui, c'est très fort. Hein. Vous êtes protecteur. Il va y avoir une rencontre dans 3 mois. Et on me dit que ben, ça va être une transformation pour vous. Ça va être un renouveau. Ça va vous donner, ouais, ça va vous donner des ailes, quoi. Hein. Vous allez vraiment vous transformer. On me dit aussi que bon que là vous avez connu une période de bah, très 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 charnelle, très chaude. Hein, voilà, il y avait le feu, hein, on peut se, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais ouais, vous êtes vraiment vous êtes une personne protectrice, excusez-moi. Donc,
On verra avec l'oracle lumière, mais est-ce que tellement protectrice que ça, bah, ça vous crée des doutes, peut-être aussi, hein? Ça vous pose question. Donc, mais là, on me dit qu'il y a des médisances, hein? Mais vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre après avoir reçu un message. Ouais, là, quand vous aimez, c'est très fort. Quand vous aimez, c'est charnel. Et c'est votre équilibre, hein. Ami Vierge. Là, on me dit donc que vous allez rencontrer quelqu'un dans 3 mois, que ça va être très chaud. Hein? Mais bon, ça, c'est un tirage général, donc ça parle à plusieurs vierges en même temps. Hein? Ça va être très chaud, mais il va y avoir des jaloux. D'accord? Avec la médisante, là, ça risque de jaser pas mal derrière vous, quand même. Hein? Là, on me dit aussi que vous allez vous transformer quand vous allez faire cette rencontre. Vous allez vous transformer, faire cette rencontre et après avoir reçu un message important pour vous. Peut-être la réponse au message envoyé aussi. On va aller voir avec l'oracle lumière ce que ça dit. Allez, pour les vierges. Allez, pour les vierges. Tirage sentimental. Février 2022. Alors, sur l'amour, ah oui, ça c'est votre, ça va être un, vous allez être en période de chance, hein, de pouvoir rencontrer un amour inconditionnel. Donc la rencontre dans 3 mois, ouais, ben, ça va être votre foyer. Vous allez pouvoir vous projeter et créer un foyer sur la transformation. Nous avons, ouais, vous allez voir ça comme un accident. Vous allez vous dire que ça ne peut pas vous arriver à vous, mais si, ça peut arriver à tout le monde, évidemment, heureusement. Sur l'amour charnel, eh bien ça vous ouvre des horizons nouveaux, hein? Donc, c'est très joli. Sur la chaleur, bah oui, nous avons la rencontre, hein? Donc, ça va être un amour très fort. Sur le papa protecteur, ben oui. Vous allez avoir des sorties, des invitations qui vont arriver, mes amis vierges. Sur la guérison, nous avons. Ouais, vous allez travailler à guérir ces doutes et tous ces problèmes qui vous. Sur la personne fausse, les médisances, ben on a la maladie, hein? Donc, on peut dire que la jalousie, c'est une maladie. Quand vous êtes trop heureux, il y en a qui sont malades de votre bonheur. Message reçu, hein, idée mélancolique. Ça vous ramène à des souvenirs lointains. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, ben, il va y avoir du déplacement. Il va y avoir la sagesse. Vous avez la sagesse en vous. Vous espérez, ben, voilà, concrétiser cette relation et vous allez vous transformer. Il va y avoir un réel transformation. Vous allez peut-être pouvoir sortir d'un enfermement que
où vous étiez, quoi, vos doutes, vos questionnements, vos... Donc, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, mes amis vierges, pour le premier tirage, hein. Donc, on me dit bien que cette rencontre, c'est un amour, ça va être une chance pour vous de créer, de créer un foyer. Mais évidemment, pour vous, de rencontrer cette personne accidentellement, on me dit pas que vous allez avoir un accident, hein, c'est pas ça, hein, mais accidentellement, peut-être, voilà, au coin d'une rue, évidemment, vous allez vous dire, ben non, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, et ben non, c'est... tout le monde a le droit d'aimer, tout le monde a le... Voilà. Là, on me dit que oui, vous allez partir vers de nouveaux horizons, hein, de nouvelles possibilités d'aimer. Ça va être... parce que, ben oui, il y a une forte rencontre là qui est annoncée, hein, donc, amis vierges, célibataires, c'est quand même... il y a une forte rencontre qui arrive, hein, peut-être pour la Saint-Valentin. Et on me dit aussi qu'il va y avoir des invitations donc, pour le 14 février, hein, pour la Saint-Valentin. Voilà, donc, oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et ça va être très, très mouvementé. Je peux dire ça comme ça. Là, on me dit que vous allez guérir, hein, donc vous allez retrouver votre équilibre. Mais il va falloir travailler pour ça. Travailler pour regagner confiance en vous. La personne fausse, bah oui, bah écoutez. Elle est engrangée dans cette. Vous allez savoir peut-être qui c'est, hein, cette médisante, hein, cette fausse amie. Donc, vous allez savoir qui c'est. Donc, bah, écoutez, c'est, vous allez pouvoir l'exclure de votre groupe d'amis, peut-être. Mais c'est, elle est, voilà, c'est une personne qui est malade du bonheur des autres, quoi. C'est idiot. Et voilà, et quand vous allez recevoir le message. Quand vous allez recevoir un certain message, une nouvelle, hein, ça va vous rendre mélancolique. Donc, ça va vous replonger dans des souvenirs pour certains. Voilà, des souvenirs heureux peut-être, j'espère. Voilà, mes amis vierges, pour le premier tirage. Nous allons passer au deuxième. Avec le Médéor. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les amis vierges. Tirage sentimental. Février. 2022. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, tirage en 9 cartes. Voilà, c'est ce qu'on a en dos de deck. Et bien regardez, on a la transformation encore une fois. Donc les deux tirages, les deux jeux se rejoignent. Hein. Après une période de stagnation, une période de souffrance, où vous aviez votre corps en souffrance, une période de doute, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein, parce que ben oui, vous avez eu un ex-partenaire
qui vous a rendu triste, on me parle qu'il y avait peut-être beaucoup de disputes. Mais l'abondance arrive. Hein. L'abondance arrive. L'abondance dans tout. On me dit que vous avez la réponse en vous. Hein? Voilà. Après vous être ancré, réaligné, on me parle que vous avez la réponse en vous, donc sur les sentiments que vous attendez. Voilà. Donc, ça vient, ça vient, ça vient, petit à petit, ça vient. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Il va y avoir une nouveauté, une transformation dans l'année en cours. Hein? On me parle bien d'une transformation pour vous, mes amis vierges. Hein? Voilà, hein? Une transformation dans l'année en cours. Et ça va être une évidence. Vous allez la voir comme une évidence. Après, un blocage karmique. Avec votre ex, hein? Vous étiez lien karmique, donc ça a peut-être. Il va y avoir une réussite quand même, hein? Une énorme réussite et une acceptation. L'acceptation, j'arrive plus à parler, vraiment désolé. L'acceptation que votre ex, c'est votre ex, quoi. Voilà. Vous allez même, voilà, tous vos doutes, vous allez arrêter vos combats intérieurs. Pour vous, c'est une évidence de et d'oublier ce qui s'est passé. Voilà. Là, dans l'année en cours, vous allez connaître la réussite et accepter ce qui vous arrive. Le blocage karmique, oui, vous êtes en fin de cycle, hein, donc. Dans 3 mois, vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez avoir, il y a un message qui est à venir. Hein. Donc, on me parle encore de messages, comme tout à l'heure avec l'améthyste love. De transformation, de réussite et de fin de cycle. Donc, nouveau cycle, nouvelle rencontre, nouveau projet. Donc, c'est pas mauvais du tout, hein, mes amis vierges. Hein. Allez, on va aller voir avec le rêve, les rêves enchantés. Ce que ça nous dit pour mes amis vierges. Tirage sentimental. Février 2022. On a des messages, on a un message annexe. Et oui, vous allez pouvoir enfin traverser le pont des souris. Donc c'est bien, c'est merveilleux. Ça s'arrange. Allez. Eh bien, oui, il y a un jeune homme qui arrive à vous. Vous avez la force et vous y croyez que tout peut s'arranger. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez la protection de l'étoile et vous y allez doucement mais sûrement au fil de l'eau. C'est super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, mes amis Vierge? Allez. Ça confirme bien tout ce qui a été dit au début. Allez, sur le combat, nous avons. Oui, les jeux sont faits. Ok. Excusez-moi, j'ai fait tomber la. Donc, on me dit bien que, évidemment, si les jeux sont faits, c'est que c'était destiné. Hein. Sur une évidence, oui, vous avez quand même encore des doutes, hein, mais vous savez que. À la lunaison, ça va vous apporter vos réponses. Donc, croyez en vous. Croyez en vous. Faites vos demandes à chaque période lunaire. Faites vos demandes et
avec le cœur, avec amour, et l'univers vous entendra. Là, nous avions le puits de l'oubli, si je peux dire ça comme ça. Et bien là, nous avons le puits des vœux. Tous vos vœux vont être réalisés. Hein, donc, c'est génial. Sur la famille, sur le soleil, et bien oui, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page à votre histoire. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Sur l'année en cours, oui, ben, vous allez peut-être baisser vos masques, votre masque, amis vierges. Et la personne en face va peut-être baisser son masque. Il y a des vérités qui vont être dites, mais c'est une bonne chose que chaque vérité soit dite quand même. Là, vous avez peut-être de l'acceptation d'une femme sensuelle. Va peut-être falloir faire un choix, quoi. Peut-être que c'est peut-être pas la personne. C'est peut-être pas la personne que vous attendez, quand la personne qui doit arriver dans 3 mois, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ben c'est peut-être pas une amante, hein, c'est peut-être une personne que vous voulez avoir une relation stable, d'accord? Sur la fin de cycle, nous avons les mouvements, les poissons. Donc là, il va y avoir beaucoup de mouvements autour de vous, beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance. Donc l'abondance d'amour, l'abondance personnelle. Vous avez sur le blocage karmique, vous êtes protégé par le divin quand même. Hein. Donc. Et sur le courrier, on a l'abondance avec l'ours. L'ours qui est plein de douceur, qui est très fort, mais l'abondance, elle arrive. Donc, c'est peut-être une personne déjà bien posée. Si vous êtes célibataire et que vous la rencontrez dans le courant février. Je dis courant février, début mars. Hein. C'est peut-être une personne qui est déjà bien financièrement, avec l'abondance, l'abondance. Voilà, donc qui va peut-être laisser l'amante pour aller vers vous. Là, il y a seul. Oh, je vais pas y arriver. Seul vous pourrez me le dire en commentaire. Bon, voilà. C'est très dur de parler aujourd'hui. Et puis, vous voyez, vous avez quand même la protection du soleil, les amis vierges. Hein? Il va y avoir quand même des papiers administratifs qui vont être faits parce que bon, la grande tour, hein, ça peut être des tribunaux, ça peut être des banques, ça peut être. Là, on peut me parler d'un homme sensuel, hein, ça peut être vous deux, hein, le couple. Comme tout à l'heure, nous avons eu le charnel. Bah, écoutez, hein, mais. Il va falloir passer les obstacles pour avoir le cadeau quand même. Hein. Donc, ça va être périlleux, mais le tirage n'est pas négatif. Mais non, il est non, non, il n'est pas négatif du tout. Il est bien. Voilà, mes amis vierges. Allez, nous allons aller voir avec le chakra cœur. Ce que ça nous dit de plus. Voilà. Allez, chakra cœur. Alors, pour mes amis vierges. Excusez si je parle encore du nez, mais je suis encore bien prise. Tirage sentimental, février 2022. Voilà.
Allez. Pour les amis vierges, sentimentales, février. Ah, madame Louise Mirel. Février 2022. Voilà. Et on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, y en a qui savent, hein. Enfin, il y en a qui l'ont des fois sous le nez, qui ne savent pas que l'amour est tout près. Allez, la carte mère. Ouais, bah oui. Il y a une distance géographique entre vous aussi, peut-être. Vous avez des nouveaux projets, hein, des nouveaux projets qui vont se créer. C'est peut-être une personne divorcée, hein, donc, et vous allez prendre conscience de votre âme sœur. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Tu reçois des signes. Ah, mes amis vierges. Et ce n'est pas. Ouais, l'autre personne n'était pas ton âme sœur. Alors, on finit la rupture et concrétisation des projets. Alors, ça rejoint quand même les deux tirages que je viens de faire, donc avec l'améthyste love, le Midéor et les. Que évidemment il y a eu rupture, il y a eu des doutes, hein, donc là on me parle bien d'une rupture, que vous prenez conscience de qui est votre âme sœur, parce que vous recevez des signes, hein. Voilà. On me parle que c'est peut-être une personne divorcée que vous connaissez déjà, qui a peut-être une distance géographique, hein. Mais qu'entre vous, on me dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées et que les projets. Les projets, les nouveaux projets qui sont en route vont être concrétisés. Donc, c'est bien. C'est bien. Là, on me parle de. On me dit là que c'était pas ton âme sœur. Il y avait une trop grosse distance géographique. Il y avait une trop grosse distance géographique. Donc, évidemment, ça a amené la rupture. Et en fait, de toute manière, ce n'est pas ton âme sœur. Hein. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de rancune à avoir. C'est vraiment. Voilà. Là, on me dit que tu reçois des signes, mais malgré la distance, les projets vont être. Les projets vont être concrétisés. Donc, eh ben écoutez, moi, pour certains, hein, c'est pas pour tout, voilà, tous les vierges ne vont pas vivre la même chose, mais voilà, dans plusieurs messages, hein. Là, on me dit que oui, il y a eu des projets d'enfants, peut-être, pour certains. Tu as reçu des signes que, en fait, la personne en face de toi n'était pas ton âme sœur. Voilà, donc. Eh bien, heureusement que peut-être que ses enfants sont pas là. Enfin, j'ai dit ça, je dis rien. Mais là, il y a une distance géographique. Vous avez peut-être peur, hein, mais on me dit que bien que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées, et tu vas prendre conscience que c'est ton âme sœur. Voilà. Et comme vous connaissez déjà votre âme sœur, donc. Ça pose moins de soucis.
Voilà, mes amis vierges, très beau message. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, maintenant vous allez vous poser une question. Je fais la réponse. Réponse des réponses angéliques. Hein? Et puis après, je ferai avec le livre des oracles. Allez. Allez, mes guides, mes anges, pour les amis vierges. Tirage sentimental. Février 2022. Réponse nette, précise, claire, concrète. Alors, question, s'il vous plaît. Merci. Hop. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu qui s'est retourné là. Non. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben voilà. Un amour romantique. C'est beau. Avec un amour romantique. Mais on me demande de vous affirmer quand même. Hein. Et attendez-vous à un signe. Donc c'est bien. C'est bien. Vous pouvez demander à vos anges. Hein. Vous pouvez demander l'aide de vos anges. Hein. Ils vous enverront l'aide. Ouais. Vous voyez, on vous dit, demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres, demandez l'aide à vos anges. Et ouais. Ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir avec le livre. Qu'est-ce qu'il me dit, le livre? Allez. Mes guides, mes anges, mes êtres de lumière, tout l'univers. Quelle est la réponse à la question posée par mes amis vierges, s'il vous plaît? écoutez, hein, on me dit, vous avez tiré le nombre 13. Ne poursuivez pas. Vous avez tiré le nombre 13. Ne poursuivez pas. Ne poursuivez pas votre ex. Laissez le passé au passé. Lâchez prise. Voilà. Transformez-vous. C'est bien ce qu'a dit le début du message. Hein, aussi. Voilà mes amis vierges, ben, écoutez, je vous, si le tirage vous a parlé, merci de liker, de vous abonner si vous passez par ma chaîne, hein, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, et moi je vous dis à très bientôt, allez, au revoir.